Bonsoir James. Aujourd'hui, je vous envoie ce SMS pour vous dire que je suis mécontent. Vous avez fait une bavure policière. Tasé une personne à 2 reprises. Ceci est une bavure policière assez grave. Du coup, cependant, vous serez accompagné d'une 3e coéquipière. Cette personne-là sera pour vous surveiller. La moindre bavure sera une rétrogression, voire même pire, virée au sein de la LSPD. Donc faites attention à vous. Bonne chance, agent James Arston. Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Foul, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 LSPD FR, tout simplement avec James Arston. Vous avez pu voir dans l'introduction que James, dans le dernier épisode, donc l'épisode 6 du mode LSPD FR, il a fait une petite erreur, utilisation du taser abusif sur un individu qui venait de voler son véhicule de patrouille, enfin qui a tenté de voler son véhicule de patrouille. Et du coup, bah, évidemment, il a reçu un petit SMS disant que il serait infecté en aide au lieu des park rangers. Bon, on n'est pas en tant que park ranger, hein. Nous on va patrouiller dans tout ce qui est quartier riche de Van Nuys, etc. Parce que le poste de police là, il fait aussi les quartiers riches de Van Nuys. Mais tout simplement, en gros, on est au lieu de deux partenaires, enfin d'une partenaire, on en a deux partenaires. Donc la partenaire de l'autre jour, qui a fait une teinture, qui est devenue brune, mais ça c'est un détail, hein. On ne va pas juger sur son physique. Et on a du coup, bah, pour vous et pour moi, à gauche, la partenaire du jeu de base, évidemment, ce qu'on appelle nous dans l'ancien serveur des corrompus, hein, voilà, très clairement, sur le serveur Xbox One, on les appelle des corrompus. Mais là, moi, dans le mode LSPD FR, je m'en sers comme personne qui sont là pour surveiller, pour savoir, voilà, parce que regardez, la collègue à droite, elle reste fixe, limite, elle se fie à ce que je fais, etc. Elle, au fait, elle est là en train de se la péter, à faire toucher ses amatras, etc. Enfin bref, hein, on connaît les corrompus de base. Tout simplement, bref, dans cet épisode, le Ford Explorer de 2016, nouveau mode que j'ai installé pour diversifier les PNJ et la circulation aussi. Le bodycam désinstallé suite à des problèmes graphiques, ce qui me causait aussi des problèmes aussi, hein, j'ai remarqué qu'on me posait des problèmes graphiques. Et c'est tout, il me semble que c'est tout. Le régulier caloute, j'utilisais déjà, la certaine caloute aussi, l'unité de caloute aussi. Donc ça c'est tous les appels qui peuvent venir de suite. Donc voilà pour toute la liste, etc. Alors, hein, je tiens à préciser que je me base sur Los Angeles, évidemment, à la base des bases, donc en Californie aussi, et que je me base pas sur un 100% de réalisme. James Arston, c'est une fiction, hein, c'est pas un personnage qui existe déjà de base, et je me base pas sur des services IRL, même si, bon, mes véhicules comme la Convic, la Dodge Charger se basent sur Los Angeles. J'essaie de mélanger quand même une base de GTA. Et dans les patrouilles, il y a 50% de réalisme et 50% de fiction. Donc voilà. Pour la gouverne, c'est pour ça que dans les patrouilles, vous me voyez que des fois je tire à l'arme létale quand, au lieu de courir, hein, face à un suspect. Mais ça, en fait, dans l'aspect RP, je ne compte pas comme un abus. Je trouve que utiliser une arme létale, ça fait très clairement américain. Et du coup, voilà, c'est vraiment dans le côté américain fiction, évidemment. Et par contre, on va éviter tout ce qui est abus de taser, etc. Taser quelqu'un en double, etc. Comme il y a eu dans l'épisode 6. Mais c'était fait exprès, parce que vous vous doutez bien que cet épisode de nuit, c'est le dernier. Mais bref, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que je vais vous présenter ce véhicule. D'ailleurs, vous pouvez voir. Salut, collègue. Hein, what? Plus grande que moi là. Voilà, donc en gros, vous pouvez voir que la roue elle est bloquée sur le côté gauche du véhicule. Parce que, en fait, c'est un mode aussi que j'ai installé récemment. Et pourquoi je vous dis 50% de réalisme et 50% de fiction? Parce que, bon, je sais plus sur quelle scénographie elle se base la voiture. Mais bon, j'ai pris en noir et blanc parce que ça, pour moi, ça reflète la Californie. Et puis, je trouve que c'est quand même le mieux.
Mais c'est le seul véhicule qui n'est pas... désolé. Non, désolé, excusez-moi. Et voilà. Bref. Aussi un autre mode, vous allez voir, regardez, hop, exempted camera setting. Ça, c'est parce que tout simplement, j'ai réglé, on peut régler maintenant, grâce à un mode, la vue, regardez, avant, on voyait pas la marque du volant. On va demander aux collègues de monter. On va se mettre disponible pour les appels. Donc, Central, ici, James Hurston et trois collègues, dont une superviseuse et la collègue de l'autre jour, suite à mon problème. Prise de patrouille, secteur Van Nul, c'est les quartiers. Ah, shot fire. Oula. Ok, bon, bah on commence bien. On commence bien. Shot fire. Oh, ok, Central, je suis sur zone. Je dois localiser. Alors. Là, j'ai l'air de m'éloigner. Donc, à mon avis, ça doit être dans la première villa. Ouais. Et là, je me rééloigne. Oh, putain, c'est dans la montagne. Hop, on va prendre le fusil à pompe. On va s'équiper du fusil à pompe. Donc le shotfire n'est pas ici, c'est sûr et certain. Donc à mon avis c'est dans la colline. Ok, ok, bon. Ah bah ouais, mais en même temps pourquoi tu te mets là aussi? Allez, on y va, on y va. Y'a quelqu'un? Police! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh oh! Y'a quelqu'un? Ok, donc c'est pas ici. Attends, mais il faudrait savoir. Soit il faut que je monte, soit il faut que je descende. D'accord, donc là, ça si j'ai ma gueule. Ok, ça descend. Eh oh, y'a quelqu'un? Ok, c'est bon. Central, j'ai un individu en visuel. Il a l'air de marcher vers moi. Monsieur? 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 Merde, oh putain, merde. Putain, il a avancé au même moment. Monsieur? Pourquoi Shotfire? Shotfire, pour moi, c'est... fire... Attends. Shot, fire. Donc pour moi c'est une arme à feu. Ok. Bon, on va pas compter SP dans le RP que je lui ai utilisé dans la tête. C'est juste que de base je voulais, j'ai appuyé quand il était assez loin et que je l'ai visé au cou.
pas tout compris là. Ok. Monsieur, un coup de pont, un danger sur vous, monsieur? J'ai pas eu d'arme dans le sur lui. Ok. Ok, ok. Central, je vais vous demander un transport de prisonniers. Je suis pas en disposition. Je ne peux pas en transporter de suite. Et là, le transport va se mettre à bugger. Ouais, donc ok. Bon, en fait, on va pas forcer. Il va forcément venir un jour. Ouais. Attends. Abruti de transport de merde. Amis, on se retrouve sur la même zone pour vous dire tout simplement que j'ai été victime d'un crash. Bon, comme vous pouvez vous en douter, j'ai fait appel au truc, mais plus jamais, je vous dis tout de suite, là c'est la première fois que je patrouille ici, et c'est la première fois et la dernière fois que je patrouille parce que c'est la merde. Le jeu n'arrête pas de crash, là en fait ça a crash. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais le transport faisait de revenir sur zone, de repartir, de revenir sur zone, de repartir. Forcément, le jeu comprenait plus rien, du coup, forcément, vous doutez bien, le jeu a crash. Donc bref, du coup, reprise de patrouille, enfin reprise de service, du coup, suite à ce crash. Il est toujours 20h, mais à la prochaine ellipse, je pense que s'il n'y a pas grand-chose qui se passe, je pense que dans la seconde près, on se retrouve quand il va faire nuit. Mais de toute façon, vous connaissez la chanson, je rec en continu en général. Et puis on voit par la suite. Bref, on se retrouve dès qu'on a une intervention. A tout de suite. D'accord. Ok, donc oui, je vais... ouais, bon, il a de la chance, le collègue a peut-être besoin de renfort. Ok, central, je prends l'appel pour le véhicule, pour le rocket de transport. Bon. La première intervention était un petit peu, j'ai pas compris, parce que bon, de base, le mec était sur le sol vivant en shootfire. Bon, toi, t'as de la chance, hein, parce que t'es un petit dangereux, mais je pense que le collègue, c'est quand même plus important. Toi, par contre, t'es à moitié sourd, apparemment. Ok, ça peut rendre les fuites. Oh, mais grouillez-vous! Bordel de merde! Bon, tu rentres! Oh là là!
Attends, à quel moment... À quel moment c'est un hélicoptère bizarre quoi. Ok, centrale, je suis en la poursuite. J'en poursuis actuellement une moto hors de la redirection. Il va direction Mission Row. Arrête-toi! Arrête-toi! Merde, par contre, tu as un pit sur une moto, non? T'es pas dans les... Ouais, tu m'étonnes que c'est Noroski. C'est une fausse manip, centrale. Putain, mais c'est pas possible. Putain, mais je veux pas faire un pit. Je voudrais avoir les informations, bordel de merde. Oh, arrête-toi. 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 Ok, bon. Du coup, on va demander des spec trip. Hein. Ça va être un peu dangereux pour lui, mais je préfère prendre des airs. Au pire des cas, il... Ok, bon, ils sont vraiment abrutis, à quoi ça sert qu'ils mettent une R à droite. Vous êtes cons, franchement, à cons. Bon, tu vas t'arrêter quand, abruti? Arrête-toi! Oh putain, et en plus il pile, l'enculé. T'as cru vraiment que t'allais me faire une fin. Par contre, c'est une blague ou l'hélico, je demande un hélico, il est pas là. Centrale, je redemande un hélico. Un hélico, bordel de merde. Putain, il me fait des feintes, enculé. Je vais redemander une unité. Je vais redemander une unité, centrale. Une unité, direction Van Nuyd. Au niveau du casino, Diamond Casino. Ils ont réussi à faire un barrage, mais ils sont même pas fichus. Arrête-toi! 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 Putain, j'ai pas envie de percuter totalement en fait. Arrête-toi! Arrête-toi! Ok. Toi, tu. Hop, je vais redemander une unité. Et je vais redemander des spectres. Même s'il est en moto, je pense qu'il va vouloir essayer de. Allez, allez, passe dessus, passe dessus, passe dessus, passe dessus, on n'a pas que ça à foutre. Sérieux? Attends, 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 attends. Il a pas pris la Hertz, là? Centrale, je redemande des spectrips, s'il vous plaît. Mais quelle bande de cons! Pourquoi vous mettez les spectrips à droite? Vous êtes débiles! Mais ils sont débiles! Mais putain, mais c'est quoi cette poursuite de merde? Putain... Et bah hop, on va redemander. Putain, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, putain de merde. Cette poursuite, elle part littéralement en couille. Ok, on est revenu sur l'endroit de la patrouille. Demande de spike sprint sur zone. Et cette fois, foirez pas votre zone. Passe dessus, passe dessus, passe dessus, passe dessus. Mais quoi? Mais non, mais ils sont abrutis. Bon, ouais, c'est bon, lui, il m'a saoulé. Je vais essayer de tenter de faire autre chose. What? Pourquoi ça... What the fuck? J'ai tourné, ça n'a pas tourné, what the fuck? Bon, il va s'arrêter, cet abruti? Ou il compte jamais s'arrêter? Putain, mais what? Mais... Ah, putain, il pleut, ça glisse. Bon, et toi? Je vais... Oh là là, je vais encore faire un truc... Mais bon, on n'a pas le choix, le mec est dangereux, là. What? Mais il roule! Attends, par contre, moi, je vais... Merde, ah oui, d'accord, moi, je vais vraiment crever les pneus avec... On va à la balle réelle, parce que c'est bon, au bout d'un moment...
Tu t'arrêtes. À terre, dépêche-toi. Putain de merde. Faut que je te menace avec une arme pour que tu t'arrêtes. Abrutive. T'aurais pu te tuer, abrutive. Tête de con. Allez hop, tu viens par là, toi. Hop. Et vu qu'il pleut, ça tombe bien. Allez, mets-toi dans la gadoue, là. Putain, j'aurais pu le percuter, j'aurais pu le tuer. Le mec, il part en poursuite en moto, sous la pluie. J'ai risqué ma vie pour sa petite vie de merde, là. Putain de merde. Oh merde, non, par contre, j'ai été écrasé quand même. Par contre, ça patine, ce véhicule, il patine quand même. Bon, c'est pas une excuse, mais... Bon. Déjà, toi, on va fouiller ce véhicule, déjà. Ah, merde, je ne peux pas fouiller de véhicule. Ah, bah oui, parce qu'en fait, il détecte deux véhicules, en fait. Attends. Ah, bah, en fait, je vais crever le pneu, c'est pour ça que c'est arrêté. Mais je pense qu'il y a aussi qu'il a eu la trouille de l'arme létale, en fait. Hein, parce que le mec, il avait très clairement envie... Bon, vérifions les pneus, les moteurs. Il n'y a rien forcément, mais bon, après on sait jamais. Hein. Central, je vais vous demander un pick-up pour une moto, une bâtie. Bon, le suicidaire, lève-toi. Parce que des noms comme toi, il y en a. Des mecs comme toi, il n'y a pas 36 mots. Oh là, c'est pas possible de voir des mecs comme toi là. J'aurais pu te percuter, j'aurais pu te tirer dessus, j'aurais pu te buter. Tellement que tu mettais les gens en danger. Mais je l'ai pas fait parce que bon, je suis un bon. Et surtout parce qu'on me surveille. Ok, en plus t'es pas recherché. Alors attends, ton véhicule, il y avait rien dedans. T'as rien sur toi. Attends, je vais quand même revérifier. On parle des trucs substitution, j'ai mal vu. Si, il a quand même une arme sur lui. Bon, ok, donc le mec il a rien à se reprocher de base, mais si on veut. Allez, retourne-toi là. Retourne-toi. Ok, donc en plus t'es même pas sur la limite de la... Peut-être les drogues, peut-être, monsieur. Thanks. Oh bah oui, vous roulez sous influence, hein. Allez, je vous mets pour l'instant dans mon véhicule. Ouais, collègue, tu le prendras quand j'aurai fait le truc. C'est pas possible d'être si abruti que ça. Alors, du coup, lui, on va lui faire un arrest report déjà pour deux choses. Déjà, il conduisait sous influence, déjà, de stupéfiants. Hop, et non-violent crime, il a fait un resisting arrest. Voilà, tac. Vraiment un bout de tissu. Vraiment. Bon, monsieur. Sortez du véhicule, s'il vous plaît, là. Donc, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Pour les effets suivants. Ouais, c'est 10-4. On est là, t'as les bras élastiques, toi. Bref. Vous êtes en état d'arrestation pour les motifs suivants. Resisting arrest. Conduite sous influence. Merde, j'ai oublié un petit détail peut-être. Je vais peut-être ajouter. En plus de ça, reckless driving parce que vous étiez extrêmement dangereux. D'accord. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous pendant votre jugement. Si vous avez un avocat, votre avocat sera à votre disposition. Sinon, un avocat sera commis d'office. Vous aurez...
Vous avez le droit à boire et à manger et un appel avant votre jugement. Mon sens, collègue, tu veux bien le prendre, s'il te plaît? Putain, vraiment. Ouais, oh, soc, tu m'étonnes. Oula, parking accident. Ok. Ok, central, je prends l'appel pour le parking accident. Donc ok central, je viens de voir l'individu. Donc il est en présence apparemment d'un coyote. Je vais aller voir ce qui se passe. Au passage central, j'aurais besoin d'une information pour une tempesta. Une tempa, pardon. Target vehicle license plate 00 Queen Boy X-ray 876. Target is 10-4. Ok monsieur, qu'est-ce qui se passe monsieur? Vous êtes choqué, monsieur, mais calmez-vous. Avez-vous besoin d'ambulance, monsieur? Ok, vous n'avez pas besoin. Ok, vous bougez pas, monsieur? Central, je vais avoir besoin d'un animal control en attendant. Donc, monsieur. Hop, je vous... Merci monsieur. Vous bougez pas? Oula. D'accord. Monsieur, je vais vous donner le rapport une fois qu'il sera fait, monsieur, d'accord? Donc il a été bien percuté. Fire for 8. Oh, ok. Bon, monsieur, je vais vous donner le rapport. D'accord. Par contre, soyez prudent. Ok. Monsieur, monsieur. Vous êtes sourd, je vous ai appelé, hein, monsieur. Monsieur, avez-vous une identité juste avant, monsieur? Ok, monsieur. Ok, je voulais juste m'assurer que tout va bien. Donc, on peut y aller. Ouais, tu fais quoi? Ok. On va créer son véhicule au calme. Oh my god, you blind? Une centrale reprise de patrouille code 4, hein, du coup. Target vehicle license plate 41 Young Queen Henry 103. Approach with caution.
Apparemment, l'individu est recherché. Du coup, ce sera plus pour un félonie. Monsieur, vous allez sortir du véhicule. Oh, madame plutôt. À terre, tout doucement. Tout doucement, à terre, à terre, à terre, à terre, tout doucement. Pas de geste brusque. Ne bougez pas. Par contre, là, c'était stylé. Par contre, la manière où ils sont arrivés, on a pu faire vraiment une véritable arrestation. Là, je suis fier. Bref, alors, madame, ma collègue va vous fouiller, d'accord? Collègue, tu veux bien le fouiller, s'il te plaît? Ah, illegal prescription spills. La personne a 20 ans. Ok, donc déjà de l'illégal conspirse. Hop, je vais demander aux centrales une information. Ouais, c'est pas ce que je disais, elle était recherchée. Je vais regarder mon ordinateur pourquoi elle est recherchée. Oh, excuse-moi, collègue. Je vais regarder mon ordinateur pourquoi elle est recherchée. Oh, excuse-moi, collègue. Ah, putain de merde. Alors, voyons voir. Alerte, allez rechercher pourquoi. Warrant, violent crime. Bon, déjà, de toute façon, de base, hop, arrest report. On va lui faire aussi une autre charge. Parce qu'elle était en possession de drogue. Et c'était illégal... Illégal... Non. Merde, c'est où le truc? Non, pas stolen au fait. Ah voilà, précision sprint. Je cherchais le mot illégal, moi je sais pas pourquoi. Elle a pas fait de refus d'obtempérer, donc bon, on va lui mettre que ça. Hop. Bon, madame, vous êtes en état d'arrestation parce que vous êtes recherché pour violent crime. D'autant plus, vous avez une ordonnance illégale, d'accord? Excuse-moi, collègue, vas-y. Bon, nous, on va limite les récupérer un peu la circulation. Il va falloir que je vois le. Oh là, le collègue qui m'envoie la porte dans la gueule. Va falloir que je vois le réglage du véhicule parce que c'est très bizarre. Collègue, c'est bon, tu peux repartir, c'est terminé. Ouais, par contre, c'est quoi ce bug? J'ai jamais vu ce bug. Magnifique. En fait, on a pas l'impression que c'est un problème de détection, on a l'impression que c'est l'écran de la bagnole. What?
Ok. What the fuck? J'ai pas compris là, il s'est passé quoi? Je suis tombé, je... What? Ce véhicule là. Ah oui, c'est parce qu'il y a un collègue qui est juste là. Collègue, faudrait peut-être que tu... Tu peux redisposer du coup. J'espère que vous, vous allez pas m'enfoncer encore plus. Ouais, pas fait de bavure. Magnifique la texture, c'est... Ouais, c'est magnifique. Bref, du coup, centrale, reprise de patrouille, code 4, secteur Van Nude. Ok, centrale, je prends l'appel pour le requêt de trafic backup. Bon, alors comme vous pouvez le voir, je pense qu'il y a eu une petite ellipse au moment bah, du coup, de l'intervention. Ça va être la dernière, enfin logiquement. Voilà, il commence à faire jour, c'est la fin de la patrouille, de fin de la nuit du coup. Hop, hop, tac. Bon, normalement, on n'a pas fait de bavure, donc on n'a pas fait de grand chose de mal, donc voilà. Bonjour collègue, qu'est-ce qui se passe? Oh, good day. Oh putain, je savais pas que t'étais aussi content de me voir. D'accord. Il suivait une folonne. D'accord. Ouais, par contre, la collègue va se faire écraser là. Oh, collègue. 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 Target vehicle license plate 06 John Ida John 048. A traffic violation. Approach with caution. Rien compris. Ok. Code 4. D'accord. Bon, bah tant mieux. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon, on va patrouiller une dernière fois jusqu'au poste de police. Et puis, enfin, le poste de police. Le fameux. Et puis, on va voir ce qu'il y a pour la session de vidéo. Et puis, je pense que... Wolfhard check. Bon, on prend cet appel-là, on va voir. Cherche scène. Attention. Call was fake. What? D'accord, c'est un appel fake. Ok, bon, bon, tant mieux. On voit tout. Du coup, bon, il faut savoir que cette vidéo, elle a été refaite aussi, hein, les amis, pour... Maintes fois, je termine cette vidéo, il est 1h du mat, bientôt 2h d'ailleurs. Et ça commence à piquer un peu, j'ai la voix qui pique parce que bon, j'ai eu des crashs, des multiples crashs. Et là, bon, sur cette vidéo là, c'est bon, il n'y a pas eu de. Son of a bitch! Excusez-moi, what the fuck? Qu'est-ce que. Bon, attends. Toi par contre, qu'est-ce que tu fais? Elle a coupé la route littéralement. What the fuck? Target vehicle license plate 84 Henry Edward David 459ers. A traffic violation.
Approach with caution. Bon, dernière intervention avant de... Bon, par contre, on va faire vite, par contre. Bonjour, ma petite dame. Bah alors, on est mal luné? Ou alors on a de l'alcool encore? Ou on sort de soirée? Bon, madame, avez-vous des documents permis de conduire? Assurance, registration? Ok, donc vous n'avez pas d'assurance apparemment et vous n'avez pas de registration. Ok, madame Love, vous avez un bon nom, mais voyons voir si votre nom est aussi bien. Hein. Ah! Bon, bah déjà, hop. Vous allez sortir du véhicule, les mains en l'air. Les mains en l'air. Vous vous mettez à terre maintenant. À terre, à terre. Apparemment, votre nom est beau, mais pas pas la personne. Hein. What? Je crois que j'ai demandé à un mec de s'arrêter, lol. Ok. Bon, madame, je vous mets ici, d'accord? Vous ne bougez pas. Bon, monsieur. Du coup, je suis désolé de vous avoir dérangé. Vous pouvez repartir, hein, du coup. On va finir la suite du contrôle parce qu'ici, ça va vite partir en couille. Déjà, hop, on va faire un stop trafic, là, ici. Ok. Monsieur, tu t'arrêtes. Viens par là. Arrête-toi. Taser. Merde, taser fail. Arrête-toi. Tu t'arrêtes, tu te lèves, dépêche-toi. Je te demande de repartir et c'est comme ça que tu me remercies? Allez, à terre, dépêche-toi là. Il est sérieux lui? Il est sérieux? Allez, monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur agent. Vous êtes complètement con, monsieur. Vous êtes con. Sachez-le. Bon, bah du coup, vous allez rejoindre votre... votre compagnon, hein? Enfin, votre compagne, du coup. C'est un jeu de mots, hein, les amis. Bon. C'est une patrouille chargée. Il est sérieux, lui. Bon, il y a beaucoup trop de véhicules, là. Bon. Toi, je vais te fouiller. Un coupant, un dangereux? Dollar pills. Bon, déjà, il a dû peut-être des dollars potentiellement volés. Quelqu'un veut bien me fouiller cette personne, s'il vous plaît? Bon, c'est la collègue. Hop, on va demander. Hop, un tow truck large parce que c'est un SUV large. Et voilà. Bon, alors. Bon, on va essayer de faire vite parce que, bon, là, du coup, je voulais faire le truc au poste de police. Mais là, c'est. Voilà, donc alerte, elle est en. Ah, carjacking, carrément, d'accord. Du coup. Bah, du coup, de toute façon, elle, il n'y a même pas besoin de faire d'arrest report. Ouais. Il n'y a même pas besoin de faire d'arrest report pour lui, pour elle. Lui, par contre, Lucas Machin, il n'était pas recherché. Bon, encore un abruti, quoi. Arrest report, viol en crime. Alors, il faut pas que je dise firearm, par contre. Je crois que c'est batterie, parce que bah, assaut, je crois que c'est avec des armes. Hop, et voilà. On va lui ID sous ceci, tac, tac, tac. Bon.
Vous êtes débiles. Sachez-le. Tous les deux. Hop, séparate véhicule. Bon, par contre, Tiscrew, il est patrouille parce que... Encore le shérif dégueulasse. Alors ouais, bref, du coup il y a une micro-coupure, malheureusement, désolé. Alors du coup j'ai voulu essayer de voir, si vous avez pas vu dans la vidéo, je vous dis ce qui s'est passé, pourquoi il y a une micro-coupure. C'est pas dans le montage, c'est sur le rec avec Action Merylis. J'ai voulu essayer de voir pourquoi le véhicule était à moitié sale, bizarre. Bon, ça doit être un bug de texture, mais c'est bizarre parce que j'ai jamais eu ce bug avec... j'ai déjà testé le véhicule et j'ai pas eu de bug, mais c'est bizarre, faudra que je le vois plus tard. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, de commenter. Et puis on se retrouvera pour l'épisode 8. Et l'épisode 8 sera sans doute dans le désert. Du coup, on va refaire l'inverse, mais dans le désert. C'est-à-dire que là, on a fait la nuit dans la ville. Et du coup, bon, pour dès l'épisode 8, ce sera l'inverse, mais dans la nuit, dans le désert. Donc bref, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, de commenter, de lâcher votre pouce bleu, votre meilleur pouce d'ailleurs. Et n'hésitez pas à commander, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifs parce que vous êtes encore plusieurs à ne pas l'avoir fait. Sur ce, c'était Monsieur Fool. Ciao. Bye bye.